Bernie Sanders, dernier grain de sable dans la machine à gagner d'Hillary Clinton, n'est pas prêt d'arrêter sa campagne. Lors du 7e débat qui opposait les deux prétendants à l'investiture démocrate, le sénateur a durci le ton et tapé, avec humour, sur Donald Trump. Si je suis élu président, je compte investir beaucoup d'argent dans la médecine psychiatrique. Et en voyant les débats républicains, vous comprenez pourquoi c'est si important. Le débat a eu lieu à Flint, une ville touchée par le chômage depuis la fermeture des usines General Motors. Une occasion en or pour tacler Hillary Clinton, accusée par Sanders d'être la candidate de Wall Street. Réplique immédiate, le sénateur serait très proche du lobby des armes à feu. Je crois que donner l'immunité aux fabricants d'armes à feu et aux vendeurs a été une terrible erreur, car cela leur a permis de se défausser de toutes leurs responsabilités. Hillary Clinton est largement en tête après sa victoire lors du Super Tuesday. Mais Bernie Sanders est encore debout. Dimanche, il a remporté la primaire du Maine.